Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Le ministre secrétaire général à la présidence et porte-parole de la même institution vient d'annoncer une très bonne nouvelle. Pour accélérer le processus de désenclavement et de construction des infrastructures, l'un des chantiers de la refondation enclenchée par Mamadi Doumbouya, le colonel Amara Camara annonce plus de 100 km de bitume répartir dans 12 villes du pays en 2023. Les chantiers sont en train de se réaliser partout dans le pays. Pour cette année seulement, le chef d'État a prévu d'engager des travaux dans 11 villes de la Guinée, a annoncé le porte-parole de la présidence. Ces bitumes seront répartis entre les villes ci-après: Tougué, 15 km, Les Louma, 9,5 km, Koumbia, 9,3 km, Mali, 17,1 km, Guindia, 8,5 km, Gola, 10 km, Koundara, 8,5 km, Daboula, 8,5 km, Massanta, 11,2 km, Yumu, 11 km, Kérouané, 11,33 km. Alors, les chantiers de la refondation initiés par le chef d'État ne se limitent pas qu'à Conakry, c'est au bénéfice de l'ensemble des populations. Mais pour que tout cela se fasse, il faut la paix et la communion, a indiqué M. Amara Camara. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, familles, reconnaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.